Bonjour à tous, bienvenue sur apprendre-le-cinéma.fr. Aujourd'hui, on va voir une notion de base du cinéma, c'est la notion d'image par seconde. Alors, on est d'accord que une heure de film, c'est égal à 60 minutes. Une minute de film, c'est égal à 60 secondes. Jusque-là, pas de problème. Mais une seconde, c'est égal à combien ? Eh bien, une seconde de film, c'est égal à 24 images. Démonstration tout de suite. Alors là, je suis sur Final Cut Pro 10, un logiciel de montage. Ici, c'est ce qu'on appelle la timeline, avec tous mes plans découpés et assemblés pour faire mon film. Donc, plaçons-nous. Voilà. Ici. Alors là, on peut voir que j'en suis à 3 minutes 59 secondes et 0 image. Alors le FR, c'est pour frame, image en anglais. Donc, je vais me déplacer image par image. Et vous allez voir qu'à 24, je vais passer à 4 minutes. Donc, vous pouvez voir ici que chaque image bouge. Et attention, je suis à 24. Et voilà, je passe à 4 minutes. Eh oui, cinéma veut dire écriture du mouvement, mais paradoxalement, c'est un défilement d'images fixes à grande vitesse. Alors le cinéma muet, c'est entre 16 et 18 images par seconde. C'est pour ça que quand vous regardez un film de Charlie Chaplin, par exemple, les mouvements ont l'air plus rapides. Ensuite, le cinéma parlant, c'est passé à 24 images par seconde pour une raison de synchronisation. Et la télévision, c'est entre 25 et 30 images par seconde. Donc c'est 25 en Europe et 30 aux États-Unis. Voilà, on arrive à la fin de ce vidéocast. J'espère qu'il vous aura un petit peu appris. Puis je vous dis à très bientôt sur Apprendre le cinéma. Allez, à bientôt!